Let's lift up our hands and begin to give him praise. We are sorry for that breaking transition. It has to do with some technical fault, but thank God it has been rectified. Can we just go ahead and begin to worship him? If you leave me now, where will I go? If you leave me now, oh glory, we are back again. The devil is a liar and a loser. We will partake of that which God has in stock for us tonight. In the name of Jesus. He has lost the battle and forever he will be the loser. Come on, come on board everybody and let's get this done, because God has something for one person. And as many that are connected, as many people that are boarding the board, the flight of destiny tonight, God is about to do what no man can do. There is no mountain or mountain that is too big for God to handle. There is no issue that is too small for God to settle. Come on, get on board and let's get this done tonight. Glory, glory, glory. All right, praise the Lord. We need to get this done quick. I am desperate for you. Oh, thank you, Jesus. All right, everybody, are you there? Lord, it's me. Can you hear me, everybody? Oh, glory to Jesus. Hallelujah. We bless your name, Lord. We bless your name. We bless your name. Thank you, Jesus. Thank you for today, for that which you have in stock for everyone watching me all over the world. Thank you, Father, for what you have in stock for them. Thank you, Father. Oh, we give you praise, Lord. I want to welcome everybody tonight. Bienvenue à tout le monde ce soir. The devil tried, but he couldn't triumph because we are always a winner. L'ennemi a essayé, mais il ne pouvait pas gagner parce qu'on est toujours victorieux. And the reason why he has been struggling hard to stop this meeting tonight is because he knows what God is about to do.
Please, I wouldn't want you to be discouraged because our God is in to bless somebody. Je veux pas que tu sois découragé parce que je sais que l'Éternel est venu pour bénir quelqu'un aujourd'hui. I just want us to get some other people on board before we start the prayer and also the teaching tonight. Ensemble avant qu'on commence la prière et l'enseignement aujourd'hui. I want everybody to start calling their friends, start telling your friends, start sharing. I want to start making comments, making, you know, amen, because I believe that every amen to every prophetic word will bring about a testimony in the name of Jesus. Ça va amener un témoignage dans le nom de Jésus. Tonight is somebody's night. Ce soir, c'est la soirée de quelqu'un. Tonight is somebody's night. Come on. Journée. If today is your day, come on, clap your hands, everybody. Applaudis pour. Come on, let me just hear your comment of hallelujah. Je veux entendre tes commentaires de hallelujah. Let me see somebody making a sign that you are alive with us online. Je veux voir que quelqu'un fait un signe que vous êtes avec nous aujourd'hui. To bless somebody. Jésus est prêt à bénir quelqu'un. Oh, come on, give him praise. Can we just speak some powerful language of heaven to God? Yiddish and Lekus Abrabelendos Embrocotondara Baradele Kitangala to Susa Erujo de Bele Kita Baraconto Lacatondo Lacatondo Ripelendoro Jagabarande Bingo Nondo Bimbo Bebele Kiso. Thank you, Jesus. We give you praise. We worship you. Come on, everybody, give God some praise and say, Father, thank you because do what only you can do tonight. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire ce soir? Say, Father, I am here for you tonight. Dis, Père, je suis là pour toi ce soir. In the name of Jesus. Father, we open up tonight in the name of the Father. Seigneur, on ouvre ce soir dans le nom de le Père. And in the name of the Holy Spirit. I decree, Father, every satanic altar interrupting with our service today is hereby put down in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We take authority over every satanic powers, satanic demons in the air. On the heaven, on the land, dans la terre, wherever they are, we bind them in the name of Jesus. On les détruit dans le nom de Jésus. I decree that the will of the Lord shall be done tonight. Que la volonté de l'Éternel serait faite ce soir. I decree that the kingdom of God shall be established tonight. Que le royaume de Dieu sera établi ce soir. I decree that that which God has in stock for the people shall be released tonight. Je déclare que ce que l'Éternel a réservé pour les gens serait relâché aujourd'hui. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Father, I pray. Seigneur, je prie. Let your presence reign in all areas where people are hearing me. Ta présence règne dans tous les endroits où le peuple se trouve. Everywhere people are looking or seeing or watching this video live. Partout où les gens sont en train de regarder et entendre cette live. Let there be dominion of God's presence. Que ce soit une domination de la présence de Dieu. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. So shall it be. Amen. In Jesus' name. I want to welcome everybody dans one le nom time. Puissant de Jésus. And I want to je vais accueillir encore tout le monde. The woman of God, my
My friend, apostle, tu apprécies la femme de Dieu, mon ami, l'apôtre. The privilege to be a blessing to God's people for this platform. Tu m'as donné la plateforme pour être la bénédiction. I appreciate and celebrate the grace of God over your life. Je dis vraiment merci. Truly, you are a woman. Tu es vraiment une femme de Dieu. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Quickly. Vite fait. My name is Prophet Oluwadara Keshoro. I'm the senior pastor of Senior Great Destiny Church, Lagos, Nigeria. Amen. Il est le pasteur de l'église de Nigeria en Nigeria. I bring greetings from my family here in Nigeria. We all love you, everybody. God bless you. Que l'Éternel vous bénisse. Hallelujah. Quickly, we will be looking into tonight's message, and we shall be going into some prophetic warfare and aggressive prayers. On va regarder au message d'aujourd'hui, et puis on va rentrer dans le côté prophétique de le message. But before then, I would like everybody to pray this prayer. Avant ça, je veux que tout le monde prie vers nous. And the prayer is very simple. Et la prière, elle est vraiment simple. Simple but powerful. Simple mais puissant. And that prayer is taken from the book of Deuteronomy 29:29. Et cette prière, c'est dans le livre de Deutéronome. The Bible says that the secret things belongs to God. La Bible déclare que les choses secrètes appartiennent à l'Éternel. Are revealed belong to us. Et les choses qui ont été révélées appartiennent à nous. Toutes choses qui sont révélées nous appartiennent. God is a secret God. Dieu, c'est un Dieu de secret. It takes pride in secrecy. Oh my God. God takes pride in secrecy. He's a secret God. C'est un Dieu de secret. But he delights in revealing it to his own people, his own children, you and I. Mais il aime bien le révéler à ses enfants, toi et moi. The Bible says that that which is revealed belongs to us and to our children. La Bible déclare tout ce qui est révélé nous appartient à nous et ses enfants. I'm reading from Deuteronomy 29, verse 29. It belongs to us and our children forever, that we may do all the words of this law. Oh my God. That is powerful. That is awesome. So, people of God, this is the prayer. The prayer goes this way, that God, show me what I need to know today. This is the prayer. Lord, show me what I need to know tonight. Voici la prière, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire ce soir. Because it is what God shows to you that shows on you. Parce que c'est ce que Dieu te montre qui se montre ce soir. Did you hear what I just said? Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? If you heard me, can you just type it on that message book message? You know, it is what God shows you that shows on you. When God shows you His glory, His glory shows on you. Ta gloire se voit sur toi. It is what God shows to you that shows on you. Come on. C'est ce que Dieu te montre qui se voit sur toi. So you will need to ask God if you really want victory to be shown to you, for you to show forth the victory of God, then you need to ask God, Father, show me what I need to know that will make me to manifest destiny today.
Alors, Seigneur, tu dois faire cette prière. Seigneur, montre-moi ce que je dois connaître. Tu dois me permettre de manifester. Oh, come on, go ahead and begin to pray, everybody. Lord, show me what I need to know tonight. Seigneur, montre-moi ce que je dois connaître. Because you are a God that shows secrets. Parce que tu es un Dieu qui montre les secrets. Oh, come on, go ahead and begin to pray. La kupari telesabara. Mon kare katoshka likoto subrahande. Father, it is what you show that shows on us. Show us the secret of victory. Show us the victory, the secret of redemption. Show us the secret of prosperity tonight. Father, I pray in the name of Jesus, let everyone that is online that will also watch this online later, I pray, show them your mind. Show them that which you need to make them to know. In the name of Jesus, we are praying. In Jesus' mighty name we pray. Can somebody say amen? Hallelujah. Now, tonight, I want to believe that my interpreter is still there. Are you still there, somebody? Okay, tonight we'll be looking into invoking God's altar. Invoking God's altar against satanic altar. Invoking God's altar against satanic altar. Yesterday we looked into pulling down satanic altars from our Father's house. So tonight is going to be a continuation of what we started yesterday. And I'll be very glad if you can just follow me, because you need to understand the mind of God for you to be able to pray successfully. Hallelujah. Now, quickly, don't forget, the Bible makes us to understand that God told Gideon in Judges chapter 6 from 25 to 27 that you need to pull down the altar of Baal in your father's house. You need to pull down the altar of Baal in your father's house. And all of a sudden, Gideon had to leave with 10 people. And in the middle of the night, they break, pull down, they dismantle the altar of Baal from the father's house. And people of God, the same God also told him that after you have put down your father's altar, then you need to raise the altar of God, to invoke the altar of God against satanic altar. You need to pull down the altar of the devil from your father's house. You need to raise an altar for the Lord. That is how it works. Hallelujah. Not until Gideon pulled down the altar of Baal in his father's house, he never raised another altar for the Lord. It was the altar of the Lord he raised that he used to invoke against the altar of his father's house. Because it is very risky
after pulling down the altar, satanic altar, from your father's house, the shrine of deity from your father's house, and just leaving the place empty, you need to raise an altar from the Lord to be able to replace the altar of your father's house. And that is why I would like us to read this scripture to confirm and prove what I'm talking about. Jesus told us about an unclean spirit after leaving the house, the altar. After leaving the altar where he was chased out, the demon left an altar and he went around. He came back and he saw that the house was clean. According to Matthew chapter 12 verse 43, we are going to be reading Matthew 12 43 down to 45. We were told, according to the Bible, then when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest and find none. Verse 44. Then he says, I will return. So you can see, I will return to my house from where I came. And when he comes, he finds it empty. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. And put in order. Verse 45. Et quand il vient, il trouve la maison vide, balayée, nettoyée. And the Bible says he goes and takes with him seven other spirits more wicked than himself. And they entered and dwelt there. Why did they enter and dwell there? Because there was no altar of the Lord. After pulling down the altar of your father's house, you need to raise an altar for the Lord. Il vient, il demeure là. Pourquoi est-ce qu'il veut tel pour le Seigneur? To invoke the satanic altar, you need to raise an altar for the Lord. And the Bible says that the last state of that man, the man in which they left his life, those demons, those unclean spirits, the Bible says that the state of that man is worse than the first. Alors, dans le cas de ce que nous avons lu, la Bible me dit que la condition de cet homme est pire que la première. I pray for somebody today, your life will not get worse in the name of Jesus. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, ta vie ne sera pas pire qu'avant au nom de Jésus. I said the life of everybody watching me will not get worse. If you can type amen, so shall it be for you in the name of Jesus. Je dis la vie de tous ceux qui me regardent ne sera pas pire qu'avant et il en sera ainsi pour toi. Amen. Alors c'est important. It is immense. C'est important. Il faut. C'est obligatoire. To raise an altar for the Lord after pulling down the altar of your father's house. Que tu élèves un autel au Seigneur après avoir détruit l'autel de la maison de ton père. And that was what we did yesterday. We pulled down the altar, the satanic altar yesterday. So today we are going to be raising an altar for the Lord to invoke. We are going to be using that altar of God to invoke every satanic altar of the devil. All right, quickly, I would like you to understand what actually is the altar of the Lord. What is the altar of God? Praise the Lord. I make us to understand yesterday some few things about the altar of the devil, of demons. So today, we shall be looking into the altar of the Lord. I pray for somebody here that what God have in stock for you,
You will not miss it tonight in the name of Jesus. Alors hier nous avons détruit l'autel satanique de la maison de nos pères. Alors aujourd'hui nous mettons l'autel de Dieu pour détruire l'autel. Alors c'est quoi l'autel? Fais comprendre hier. Ce que Dieu a en réserve pour toi, tu ne le rates pas ce soir au nom de Jésus. The altar of the Lord is the place of God's voice. Altar speaks. If it's the altar of the Lord, it speaks. And that is why I pray today over every life that is confused. May you hear the voice of direction in the name of Jesus. Seigneur. L'autel du Seigneur, c'est le lieu où se manifeste la voix de Dieu. In Revelation chapter 16, verse 7, the Bible says, I heard the altar respond. And I heard another from the altar. So the altar is the altar of voice. It can speak. The altar. Alors l'autel, c'est un autel de voix. L'autel va parler pour. Today shall speak for your family. Alors l'autel que tu lèves ce soir va parler pour ta the famille. The altar of the Lord shall speak for your finances tonight. L'autel du Seigneur va parler pour tes finances the ce soir. The altar shall speak for your health. In the name of Jesus tonight. The Bible makes us to understand that the altar is a speaking altar. Revelation 16 verse 7. It said, even so, Lord God Almighty, true and righteous are your judgments. Come on. That is what the altar is saying. And I pray that as you raise that altar today, l'autel va parler ce soir au nom de God in the name of Jesus. L'autel parle. One of the greatest assets alors que tu élèves la voix de Jésus is hearing God. L'un des grands avantages du chrétien, c'est de pouvoir entendre when la voix de Dieu. Is bankrupt of the voice of God, it becomes a wanderer. Alors, quand un croyant est à court de la voix de Dieu, il devient quelqu'un qui erre, un errant. Without the voice of God, a man can never live a successful life as a believer. Sans la voix de Dieu, un chrétien ne peut jamais vivre une vie de succès en tant que chrétien. That is why it's very important that you raise an altar because it's the place where you hear from God. C'est pour ça que c'est important que tu élèves un autel parce que c'est le lieu où tu entends la voix de Dieu. One of the reasons why many people are confused is because they never raise an altar that should speak for them. L'une des raisons pour laquelle les gens sont confus, c'est parce qu'ils n'ont jamais élevé un autel où ils peuvent entendre la voix de Dieu. The reason why the devil will not allow you to raise an altar is for you to be able to hear God's voice, because he knows that when you hear him, when you hear God, he's already defeated in the battle of life. And that is why I decree tonight, may la voix de Dieu, lui, il est déjà vaincu, alors qu'il était raised to invoke against every satanic altar in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Number two, what is the altar of the Lord? The altar of the Lord is the place of fire. Oh, come on. Deuxièmement, l'autel du Seigneur, c'est le lieu du feu. Was that the altar is the place of the voice of God? Nous avons dit d'abord, l'autel, c'est le lieu de la voix de the Dieu. The second thing is that the voice, that the altar is the place of fire. Deuxièmement, l'autel, c'est le lieu du feu. Let me say this to you quickly, everybody. Alors, laisse-moi te dire ceci rapidement. Fire is the evidence of God's presence in a believer's life.
Le feu est la preuve de la présence de Dieu dans la vie du croyant. God wants everyone to be on fire for him. And you can never be on fire without raising an altar. Dieu veut que nous soyons en feu pour lui et tu ne peux jamais être en feu sans avoir élevé un autel. If you don't want your life to expire, then you need to raise an altar of fire. Si tu ne veux pas que ta vie expire, alors tu as besoin d'élever un autel. When a man's life lacks fire, he can't dare extraordinary things in life. Quand un homme manque de feu, il ne peut pas accomplir de grandes choses dans la vie. You need to understand, people of God. Peuple de Dieu, il faut que tu comprennes. Elijah set an altar. And when the altar was in order, fire came. So anytime you raise an altar unto the Lord, fire must fill your life and everything that concerns you. De la même façon que Élie avait élevé un autel et que Dieu avait répondu par le feu, de la même façon dans ta vie, il faut que tu lèves un autel et que Dieu puisse no répondre. When you are on fire for him, when you are on fire for God, comment ne résiste lorsque tu es en feu pour Dieu? Why? Because anyone that is fireful is Godful. Altar of God makes your life to be full of fire and burning for him. Parce que l'autel de Dieu te fait être en feu et te fait brûler pour lui. Lorsque tu es en feu, alors tu es vraiment divin. Oh my God, I stretch my hands to everybody watching me that the altar of fire shall be raised. J'étends ma main vers quiconque me regarde ce soir. Qu'un autel de feu sera élevé sur chacune de vos vies dans le nom de Jésus. You will see that even the devil is scared, is afraid. When he sees that you are carrying, tu verras que même le diable a peur. Tu verras que même le diable a peur lorsqu'il voit que tu portes et que tu consumes par le feu. C'est pour ça qu'il est très important que tu élèves un autel pour le Seigneur. Number 3, what is an altar and the impact of an altar? Troisièmement, the altar is a place of encounter. L'autel, c'est un lieu de rencontre. The altar is a place of encounter. If you have ever l'autel seen est un lieu de encounter God, it's because there is an altar there. Si jamais tu as eu à rencontrer Dieu, c'est parce qu'il y a un autel pour Dieu dans ta the vie. The Bible told us that at Bethel, Jacob encountered God and he raised an altar to remember that place as a place where he saw God face to face. Oh my God. La Bible me dit que Joseph a rencontré Dieu à Bethel, alors il a élevé un autel pour se souvenir que c'est en ce lieu qu'il avait rencontré Dieu. Prophétise sur la vie de tout le monde. Ce soir, tu verras Dieu face à face. In the mighty name of Jesus Christ. Dans le puissant nom de Jésus. I speak into every life watching me tonight. Je parle à toute vie de quiconque me regarde ce soir. My God will change your life around and there shall be a turnaround through this encounter of raising an altar in the name of Jesus. Il va changer ta vie et il aura un changement parce que tu auras élu. Everybody look up. Alors que tout le monde lève la tête. Altar. Alors une autre chose que je veux que tu fasses. A place of covenant. Un hôtel, c'est aussi.
altar is a place of covenant. Un autel, c'est un lieu d'alliance. When you see somebody raising an altar for God, is making a covenant. Lorsque tu vois quelqu'un élever un autel pour Dieu, alors sache que cette personne fait une alliance avec Dieu. You are into agreement with divinity for. C'est-à-dire, c'est un lieu où tu passes un accord avec la divinité pour la transformation de ta vie. Everybody hear me very well. Alors que tout le monde m'entende très bien. Altar, when it's raised, it destroys un autel, lorsqu'il est élevé, every power against your encounter. And that is why you see that détruit toute puissance contre ta rencontre. Raising an altar is very hard for them to have an encounter with God. C'est pour ça que tu vois que lorsque les gens n'élèvent pas un autel, c'est très difficile pour eux de pouvoir rencontrer Dieu. The best way to encounter God is to raise an altar for him. Le meilleur moyen de rencontrer Dieu, c'est de pouvoir élever un autel pour lui. So, altar of God is a place of covenant. Please don't forget that. Because alors l'autel de Dieu, c'est un lieu d'alliance. N'oublie pas. Covenant with God tonight. Parce que nous allons entrer en alliance avec Dieu ce soir. What is an altar 5. Of God? Qu'est-ce qu'un an autel pour of Dieu? God is a place of altering. Altering, as in, is a place of brokenness. L'autel, c'est un lieu de brisement. C'est un lieu de brisement. It's a place where our life is transfigured. C'est un lieu où notre vie est transfigurée. It's a place where we go for check and balancing. Oh my God. C'est un lieu où nous allons faire contrôle et équilibre. Check and balancing. Anytime you see a man raising an altar, he's altering his flesh. He's altering his. His chaque fois que tu vois un homme élevé, il est en train de briser sa chair. Il est en train de briser qui est envieuse. Is making sure that his spirituality is more than his flesh, as in the body. Il se rassure que sa spiritualité est plus élevée que sa charnelité. Today, I decree every addiction struggling with your victory connected to satanic altar from your father's house is hereby altered in the name of Jesus. Amen. Oh my God. Pendant my que God. Tu élèves un autel à Dieu ce soir, je déclare et décrète que toutes sortes de dépendances qui a à voir avec le monde des ténèbres est brisée ce soir au nom de Jésus. Somebody hear me and hear me well. Alors que quelqu'un m'entende, okay. Eh bien. The reason why some people are into addiction. La raison pour laquelle les gens sont dans des dépendances. C'est à cause d'un hôtel dans la maison de leur père. When you see a lady flirting around, not having a man, getting married to many, divorcing, it's not our fault. It's from the satanic altar from the father's house. Lorsque tu vois une femme qui papillonne et qui n'arrive pas à être when you see a dans man un mariage, sache qu'il y a un hôtel dans la maison de son père. Because the altar from the father's house has used his marriage as a sacrifice on the altar. Lorsque tu vois un homme qui n'est pas heureux dans le mariage, sache que c'est parce que le bonheur de son mariage est sacrifié. When you see somebody drinking, when you see somebody smoking, humanizing, going into immorality, lorsque tu vois quelqu'un boire, fumer, courir après les femmes, vivre dans l'immoralité,
There is a force that make him to be. Lorsque tu vois quelqu'un qui court après les femmes, quelqu'un qui vit dans la débauche, sache qu'il y a un hôtel. I prophesy over everyone that is addicted. Ou bien quelqu'un qui est mauvais pour attaquer un hôtel. Je déclare sur quiconque est addiction die. À cause d'un hôtel satanique dans la maison de ton père, oh que cette God, addiction meure. Altar, when it's raised, it alters every addiction, every habit from the pit of hell. When un hôtel, lorsqu'il est levé, brise toutes sortes d'addictions qui viennent du puits de l'enfer. It destroys. Quand un hôtel est élevé, in the life of people. Il détruit toute charnalité when dans la vie de la personne qui est l'hôtel. Anomaly is not them. There is an altar controlling. Therefore, I prophesy. Every satanic. Lorsque tu vois quelqu'un mal se comporter, c'est pas eux, c'est un hôtel. Alors je prophétise. From the altar of your father's house, I invoke the altar of the Lord tonight to scatter that attitude, that habit, that addiction. In the name of Jesus. Je déclare ce soir, j'invoque l'autel de Dieu pour briser toutes sortes d'addictions, toutes sortes de dépendances au nom de Jésus. Quickly, because of our time, because we need to know how to raise an altar. Alors rapidement, à cause du temps, parce que nous devons savoir comment élever un autel. Of the Lord. How do we raise an altar? Comment est-ce qu'on élève un autel? C'est l'une des questions. You need to know it because without à laquelle un croyant doit pouvoir répondre parce que sans un hôtel pour Dieu, you can tu ne pourras jamais entrer en alliance. Tu n'auras jamais de rencontre. A life of fulfillment. Tu ne pourras jamais how do we raise an altar? Number one, I have three things quick to share with you. Alors, comment élevons-nous un hôtel? Premièrement, parce que j'ai trois choses à partager avec toi. Number one, you raise an altar and you maintain an altar by a constant fellowship with God and the brethren. Tu élèves un autel à Dieu, tu entretiens un autel à Dieu par une constante communion avec Dieu et avec les frères. Anytime you are in fellowship. Anytime you are in church, anytime you are at home praying, worshiping, altar is raised. Altar is service. Altar is maintained. À chaque fois que tu es dans l'église, à chaque fois que tu sers Dieu et à chaque fois que tu es avec les frères, tu es en train de lever et tu es en train d'entretenir un hôtel pour Do you know the reason why many people don't like going to church even after the lockdown has been loosed, has been opened? Because the altar. In the time when the lockdown was on, the altar has become empowered and they have already become a slave and a captor. They have been into captivity with the altar. And that is why I break every spirit from the altar that is not making you to come back to church for fellowship in the name of Jesus Christ. Tu sais, si les gens n'aiment pas aller à l'église, même après que le lockdown ait été levé, c'est parce qu'il y a un hôtel dans leur vie qui a été renforcé pendant cette période du lockdown. Alors je déclare dans ta vie que cet hôtel soit brisé au nom de Jésus. Now, listen, your fellowship is an instrument for raising altar unto God. Alors écoute, ta communion est un instrument pour élever un hôtel au Seigneur. That is why it's very important. You must be part of this 70 days fasting and prayer all through. And when you come out as a mobile altar for the Lord. Come on.
C'est pour ça que tu dois vraiment faire partie de ce mouvement des 70 jours de jeûne et de prière, parce que d'ici là que tu seras un autel vivant et qui bouge pour le Seigneur. Into the altar with fellowship with God and with God's people, and you will not come out as a mobile altar. Even that is what God desired. That is what God wants for everybody. That is our destiny. God wants us to be a mobile altar. And I decree, may that be your portion tonight in the name of Jesus. Be a mobile altar. Dieu veut que nous soyons des autels vivants et des autels mobiles pour lui. Alors je déclare ce soir, puisses-tu être un autel vivant pour Dieu. Oh my God, a man that is full of fellowship. Un homme qui est plein de communion. Is a man that is full of power. Est un homme qui est plein de puissance. A man that is full of fellowship is full of the Spirit of God. Un homme qui est plein de communion est un homme qui est plein de l'Esprit de Dieu. And that is why I decree the grace for fellowship, the spirit of fellowship, the grace for fellowship, I release it over everybody in the name of Jesus. C'est pour ça que je décrète et je déclare et je relâche l'esprit de communion. You know that the fellowship of the brethren all over the world, as you are watching me, we are raising an altar in every nation. We are pulling down, according to Jeremiah chapter 1 verse 10, the Bible says that we have been appointed to pull down and to raise. We have been ordained to be a kingdom, nation, destroyer of altars. Oh, see, I have this day set you over the nations and over the kingdom to root out and to pull down, to destroy, to throw down, to build and to plant. Afin que tu construises, oh, afin que tu plantes. So God wants us to raise an altar. Alors Dieu veut que nous élevons un autel à travers une constante communion. You see, it becomes very easy ça devient très facile lorsque tu es en communion to invoke pour God's ça devient facile against satanic orders. L'autel de Dieu contre les autels sataniques. It becomes so easy. Ça devient facile. It becomes so easy. Ça devient facile. And that is why I prophesy. C'est pour ça que je prophétise everybody. Sur la vie de tout le monde. Spirit of fellowship baptize you now. L'esprit de communion te baptise maintenant au nom de Jésus. Number two. Deuxièmement. How do we raise an altar for the Lord and comment est-ce que élevant un autel et entretenant un autel pour le Seigneur? By our kingdom lifestyle. Par notre style de vie du royal. Le style de vie du royaume. You know that one of the lifestyle of a kingdom citizen is love. Est-ce que tu sais que l'une des caractéristiques du style de vie du royaume, c'est l'amour? Love for God, love for the people of God. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour le peuple de Dieu. Joy in the Holy Ghost. La joie dans le Saint-Esprit. Oh, the lifestyle of fasting and prayers. Style de vie de jeûne et de prière. Oh my God, righteous living. Une vie dans la justice. Oh, prakatosh, the meekness of heart. Those, and there are so many things. Don't so many. Il y a tellement de kingdom lifestyle. Et ça fait partie du style de vie du royaume. Your attitude, your kingdom attitude determines the altar that you raise. Ton attitude dans le royaume détermine l'autel que tu élèves pour Dieu. So, people of God, alors, peuple de Dieu, I release the grace for right attitude over your life. Je relâche la grâce pour la bonne attitude sur ta vie. May you receive the grace to live a kingdom citizen. Puisses-tu recevoir la grâce de vivre comme un citoyen du royaume? In the mighty name of Jesus Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ.
I release the spirit of righteous living into everyone that is watching me, struggling with their walk with God tonight, in the name of Jesus Christ. Je relâche la grâce pour vivre dans la justice sur toute personne qui a du As mal à vivre. As many people that will shout amen, I decree. Alors, est-ce que nous puissions crier amen? Je décrète sur ta vie. Every spirit of waywardness. Every spirit of end time, every spirit that makes you to do things you don't like to do, let that spirit be destroyed now in the name of Tout Jesus. Tout esprit qui te fait faire ce que tu ne veux pas faire, que cet esprit soit détruit maintenant au nom de Jésus. You don't know what it means when a man, a lady, lives according to the will of God. You are raising a daughter. Tu ne sais pas ce que ça signifie quand un homme ou une femme vit selon la volonté de Dieu. Ils sont en train d'élever un hôtel. Anytime you see that you are living the right life, the devil À chaque fois que tu vois que tu vis la vraie vie, la vie juste, le diable a peur de toi. Anytime you live a life that is well pleasing unto God, you will see that chaque the devil around you, they can't come near you because you are raising an altar. You are raising an altar. À chaque fois que tu vis une vie qui plaît à Dieu, le diable a peur. C'est parce que tu es en train d'élever un autel pour le Seigneur. Oh, I remember what happened to John the Baptist. Je me rappelle ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. He started keeping offense with Jesus. The altar that covers him was broken. The altar of the Lord. Do you know that anytime you start misbehaving to your pastor, anytime you begin to speak ill against your pastor, against your fellow members in the church, the altar of the Lord is being shattered. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu te comportes mal ou que tu parles mal de ton pasteur, l'autel que tu élèves au Seigneur est en train d'être détruit? The reason why error gain access in cutting the head of John the Baptist is because the altar of the Lord that was covering him was already broken. La raison pour laquelle Hérode a pu avoir la tête de Jean-Baptiste, c'est parce que l'autel qu'il avait bâti au Seigneur avait pu être détruit. Pray concerning you and I, you will not Je prie pour toi et moi over your life. Que tu ne brises pas l'autel du Seigneur sur ta vie. Quick number three, which is the last one. Rapidement, le dernier, numéro 3. I told you one of the ways you can raise an altar is your constant fellowship. Your constant fellowship with God and with your brethren in church. Je t'ai dit, l'une des façons dont tu peux élever l'autel pour le Seigneur, c'est par une constante communion avec Dieu et avec les frères. Number two, you need to build a kingdom lifestyle. Deuxièmement, je dis que tu dois pouvoir établir un style de vie de citoyen du royaume. Number three is very, very important. Alors maintenant, cette troisième étape est très importante. That is sacrifice. Sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. God commanded Gideon. In Dieu commande à Gédéon dans Juges 6, verset 25. I want us to read that place quickly. J'aimerais que nous lisions cela rapidement. Juges 6, 25. Now it came to pass that that same night that the Lord said to him. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. The same night God told Gideon to break down the walls, the altar of his father. He also said to him, take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it. Alors, dans la même nuit où l'Éternel a dit à Gédéon de détruire l'autel, il lui dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse de l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verse 26. Verset 26.
and build an altar for the Lord. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras un hôtel à l'Éternel. Tu bâtiras un hôtel à l'Éternel ton Dieu. Bâtis un hôtel à l'Éternel ton Dieu. Bâtis un hôtel à l'Éternel ton Dieu. Écoute bien. Lorsque tu brises l'hôtel de ton père, tu dois élever l'autel au Seigneur avec un sacrifice. Sacrifice is something that is not convenient but is commanded. Le sacrifice ce n'est pas quelque chose qui est convenant mais c'est quelque chose qui est exigé. Sacrifice is something that is painful, something you do that is painful but at the sacrifice end, it's painful. Le sacrifice, c'est quelque chose, lorsque tu le fais, ça fait mal, mais à la fin, ça te fait du bien. No wonder Balaam said to Balak in Numbers chapter 24, build me 7 altars here. Imagine. Il dit à Balak, bâtis-moi 7 autels. Balaam wanted to destroy the people of Israel. Parce que Balak voulait détruire Israël. He commanded Balak to alors il exige à Balak de lui construire 7 autels. And prepare for me here 7 bulls and 7 rams. Imagine. That de lui préparer 7 taureaux pour le sacrifice. Pour le sacrifice. You see, the people in the world, they understand sacrifice than we in Christ Jesus. Vous savez, les gens du monde comprennent mieux le sacrifice que nous, les chrétiens. We understand that anytime they call for sacrifice, the pastor want to get your money. No! It's for your good. Chaque fois qu'on parle de sacrifice, c'est le pasteur qui veut ton argent. Non, c'est pour ton bien. C'est pour que toi, tu bâtisses un hôtel. It's for you to raise an altar. C'est pour toi, pour que tu bâtisses un hôtel. Can tell Balak. Si Balaam peut dire à Balak, can tell Balak to raise peut an dire altar à Balak de lever un hôtel. Seven bulls in 7 altars. Then you need cet hôtel avec 7 taureaux. Alors toi, tu dois faire un sacrifice. No wonder David said in the book of 2 Samuel chapter 24 verse 24. 2 Samuel 24 verse 24. David De said, Samuel, I will never give to the Lord what will not cost me anything. Dans le livre de Samuel, David dit, je n'offrirai jamais au Seigneur quelque chose qui ne m'a rien coûté. If it doesn't cost you anything, it will never have the capacity rien, to ça n'aura jamais la capacité de devenir un hôtel levé. So I want everybody to get a seed, a sacrificial financial seed in your hand tonight as we raise an altar and invoke it against every satanic altar. Alors pendant que nous sommes en train de lever un hôtel pour briser les hôtels des familles de nos pères, je voudrais que chacun de nous ait une offrande sacrificielle. Chapter 118, verse 27. Psalm 118, verset 7. Do you know what God said? Est-ce que tu sais ce que Dieu dit? God is the Lord, is the Lord. And he has given Dieu us light. Est le Seigneur. Et il nous a donné if la lumière. God has given you understanding, which is light of this scripture, of this today's message, that we need to invoke the altar of the Lord against satanic altar,
then you need to bind the sacrifice with cord to the horns of the altar. It is the sacrifice that you bind on the altar that is speaking for you. I prophesy, may God give you a heart of giving financial sacrifice to raise an altar for you to invoke the God's altar against every satanic altar in the name of Jesus. Satanique dans le nom de Jésus. Listen to me, everybody. Tout le monde, écoutez-moi. Give a sacrificial covenant seed tonight. Donne une offrande sacrificielle ce soir pour un nouveau départ. For a new beginning. Pour un nouveau départ. For a new beginning, thus saith the Lord of hosts. Pour un nouveau départ, dit l'Éternel des armées. Just like the way Gideon gave that sacrifice after pulling down the satanic altar of Baal from his father's house, he raised another altar with sacrifice. Donne-le comme Gédéon a fait lorsqu'il a détruit de la maison de son père. Years ago, the Lord asked me to go into sacrifice, which I did. Le Seigneur m'a demandé d'aller dans un sacrifice que j'ai fait. I believe that altar was raised for an open door internationally. Je crois que l'autel a été élevé pour une porte ouverte internationalement. There is somebody watching me. I prophesy over your life as you drop that seed. Je prophétise sur ta vie pendant que tu déposes cette semence. The Lord shall speak for you in the home office. Le Seigneur va parler pour toi au home office. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every strange altar resisting your rising in London, resisting your rising in London, I decree is hereby destroyed in the name of Jesus. I want you to begin to give your sacrificial seed into this account right now. Sacrificiel sur ce compte maintenant. I want you to begin to give it now. Come on, don't wait. Don't wait. As you begin to give it, I would like you to begin to speak in tongues because as you are doing that, God, my God, oh my God, God, my God, will begin to raise an altar against the satanic altar of your life. Satanique sur ta vie. Go ahead now. Come on. So vas-y maintenant. Vas-y. Pose cette semence. C'est une semence. Come on, go ahead. Une semence d'alliance. Vas-y. Pose cette semence. Mets cette semence maintenant. Mets cette semence maintenant. Resisting your rising in America, in London, que tout hôtel satanique qui te USA, shall aux États-Unis soit détruit au nom de Jésus. As you begin to sow that seed, I prophesy. Et pendant que tu commences à mettre cette semence, je prophétise. The altar of the Lord shall swallow every satanic altar from your father's house. L'autel du Seigneur va avaler tout autel satanique de la maison de ton père. I want you to go ahead and begin to sow that seed now. Je veux que tu y ailles et que tu commences à mettre cette semence maintenant. Give a financial sacrificial seed that will turn everything around in your life, that will turn your captivity around today. Make it a memorable day today. Sow that seed now. And I prophesy, the altar of the Lord shall cancel and destroy every sickness in your body. Fais de ce jour un jour mémorable et pendant que tu déposes cette semence, je déclare, l'autel du Seigneur va avaler tout autel satanique dans ta vie. I speak into that lady that you are believing God for a husband. Even je parle à cette femme qui attend le mariage. But the altar is chasing away men around you. Que l'autel du Seigneur détruise tout autel qui chasse les hommes autour de toi. I speak by the name of Jesus. Je parle au nom de Jésus. Tonight, as you raise that altar
of the Lord with your sacrifice. Pendant que tu élèves cet autel pour le Seigneur par ton sacrifice dans le nom de Jésus. Your marriage is settled tonight. Ton mariage est établi ce soir. By the power in the blood of Jesus. Par la puissance et le sang. Any altar holding you down. I want somebody to begin to shout amen. I would like you to begin to type amen. I don't want it to be passive. I want it to be active. I would like you to be typing amen now. Type amen. Type amen. I'm beginning to écrit amen. By the power in the blood of Jesus, any altar holding you down, holding your sin, holding it down, that document, that paper, I cause that power in the name of Jesus Christ. Cette puissance au nom de Jésus. And so shall it be. Et qu'il en soit ainsi. I prophesy into the life of everybody that is watching me. Je déclare dans la vie de tous ceux qui any me regardent. Any altar waging war against your glory. Tout autel qui déclare la guerre à ta gloire. Every altar waging war against your glory, against your marriage. Tout autel qui s'oppose à ta gloire, à ton mariage. Against your ministry, that woman of God, that man of God that is watching me. À ton ministère, toi, homme de Dieu, there is an altar. Il y a un autel. In the vicinity of your church. Dans l'hôtel, dans ton dans hear ton me and hear me well. The écoute Lord said bien. That altar shall be destroyed as you sow that seed in the name of Jesus. Le Seigneur dit que cet hôtel sera détruit pendant que tu mets ta semence dans le nom de Jésus. And so shall it be in the name et of Jesus. Soit ainsi au nom de Jésus. People of God, peuple de Dieu, that is a perfect and powerful message tonight. Ceci est un message parfait et puissant ce soir. For you to invoke an pour que tu invoques un autel of the Lord pour le Seigneur against satanic altar, you need contre to les autels sataniques constantly in God's presence. Tu dois vivre constamment dans la présence de Dieu. You need to develop a kingdom lifestyle. Tu dois développer un style de vie compatible avec le royaume qui va te rendre fort et troisièmement, tu dois donner un sacrifice. Serve the Lord. Serve the Lord. Serve le Seigneur. With all your heart, serve him. Serre-le de tout ton cœur. Serre-le. Then give. Et donne. Live a giving life. Vis une vie de don. When a man gives, God back him up with altar of prosperity. Dieu le soutient avec un autel de prospérité. And that shall be your portion in the name of Jesus. Et cela sera ta portion au nom de Jésus. Please, I want your amen to be seen. I want it to be typing amen because I want to prophesy over your life now. Je veux que tu écrives amen parce que je vais commencer à prophétiser. I invoke the altar. J'invoque l'autel. Altar. J'invoque l'autel against Satan. Satanic altars in your life in the contre name of Jesus Christ. Dans ta vie au nom de Jésus. I raise an altar of the Most High. Arise, élève oh, un autel altar of the Most High. Oh, élève-toi, autel du every manipulating altar contre of the devil in the life of these people. Manipule, in the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. After tonight, après ce soir, after tonight, après ce soir, your dream will change for good. Ton rêve va changer pour de bon. From today, the Lord will turn you into a mobile
altar in the name of Jesus. Le Seigneur va te transformer en un autel vivant au nom de Jésus. I speak into every life here, every satanic demon monitoring you from the altar of your father's house. I raise an altar against that power tonight in the name of Jesus Christ. Je déclare ce soir contre tout autel qui est en train de manipuler ta vie. Je suis en train de le détruire au nom de Jésus. Can you type this, everybody? Can you type this on the message and say, I get back what the altar of the devil has taken from me by raising an altar. En commentaire. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, je récupère ce que l'autel satanique m'a volé en élevant un autel pour le Seigneur. I take back the altar. I take it back. I take it back. Je récupère l'autel. Je récupère ce que l'autel satanique m'a volé. Mon enfant, mon mari, mes affaires, mes entrailles, ma gloire. Whatever he has taken from me, I take it back. Volé, je I will raise an altar for the Lord pendant with que my sacrifice, le Seigneur, avec mon with sacrifice, my seed, avec ma with semence, my financial seed. Avec ma in the name of Jesus, au nom I de begin Jésus. To put my seed into this account. Je commence à mettre I raise ma an altar against every altar that is making life a struggle. Making life burdensome, making life burdensome. À Dieu I take it back in the name of Jesus. Ma vie come on, see, I je take it back. Que I take it back. Au nom de Jésus. Whatsoever je the devil has taken, whatsoever the enemy has taken, Come on, I take it back, everybody. Je récupère tout le monde. I take it back. Commence à déclarer. Je récupère maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Glory to God. Gloire à Dieu. I see somebody's story changing from tonight. Je vois l'histoire de quelqu'un changer ce soir. Gloire I see somebody's life receiving a new deal of heaven. Je vois la vie de quelqu'un recevoir quelque chose de nouveau du ciel. I see God giving to you what the enemy has stolen from you tonight. Je vois Dieu te donner ce que l'ennemi t'a volé ce soir au nom de Jésus. Every dream that you had before that is now working in reality in your life, I destroy that altar back in that evil dream now in the name of Jesus. Tout rêve maléfique qui se manifeste dans ta vie, je le détruis ce soir avec ses manifestations Every au nom de Jésus. Manifestation around you, like une manifestation démoniaque autour de toi. I curse it over your life. I curse that demonic manipulation. Je maudis cette manipulation démoniaque au nom de Jésus. I want somebody to begin to shout amen and type amen and begin to make Je veux que quelqu'un commence à crier amen et à taper en commentaire amen. Je relâche le sous la faveur de Dieu sur tout ce qui me regarde maintenant. In the next 7 days, somebody will testify, and everybody. Dans les 7 prochains jours, quelqu'un va célébrer, quelqu'un va témoigner. And so shall it be. Et qu'il en soit ainsi. Sacrificially today. Pendant que tu commences à donner sacrificiellement aujourd'hui, je lève un autel pour le Seigneur. I raise an altar for the Lord for you as you begin to give, as you begin to give, as you begin to give into that account. Pendant que tu commences à donner dans ce compte, I raise an altar for you tonight. Je lève un autel pour toi ce soir et je prophétise. That altar will begin to speak for you. Cet autel va commencer à parler pour toi. Cet hôtel va parler pour toi le matin, le soir,
à minuit, le jour, il parlera pour toi. They are calling you back in that place where you have gone for interview. On va te rappeler pour l'interview à cet endroit au nom de Jésus. That place you have gone for interview, hear the voice of the Lord. The altar is speaking now and they are calling you back. Écoute la voix du Seigneur maintenant. L'autel parle et on va te rappeler à cette interview. They are calling you back now in the name of Jesus Christ. On te rappelle maintenant dans le nom de Jésus. Hear me, I heard God saying there is somebody before the end of this year, the Lord will give you a celebration that no man will ever believe. Écoute-moi, Dieu me dit pour quelqu'un ce soir, Dieu va te donner un sujet de célébration auquel personne ne pourra même croire. And so shall it be. Et il en sera ainsi. In mighty name of Jesus Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, lift up your hands and give God praise. Élève tes mains et glorifie, adore Dieu, donne-lui toute la gloire. Give him all the praise. If God has blessed you, if God has healed you, if God has changed your life, come on, give God praise now. Dieu a changé ta vie. Vas-y, loue-le maintenant, adore-le. Lord, we worship you. Give God praise. Give God praise. Loue Dieu. Donne la louange à Dieu. Donne la louange à Dieu. Donne la louange à Dieu dans le nom de Jésus. Merci, Père. Je veux que tu élèves ta main et que tu lui donnes la louange. Lift up your hands and worship him. Vas-y, élève tes mains et adore-le. Come on, lift up your hands and worship him. Vas-y, élève tes mains et adore-le. Worship him, worship him, worship him. Alors, adore-le, adore-le. Yes, Lord. Come on. Vas-y. Worship him, everybody. Give him Vas-y, adore-le. Come on, worship him. Vas-y, adore-le. Vas-y, donne-lui toute l'adoration, donne-lui toute la gloire. The Lord has done great and mighty things for somebody here tonight. Le Seigneur a fait des choses grandes et magnifiques pour quelqu'un ce soir. I know you have a testimony already. The Lord told me je sais que tu as déjà un témoignage. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui a été attaqué au niveau de son estomac, le côté droit de l'estomac. L'autel qui t'attaque. L'autel qui shot an arrow at you. L'autel qui a tiré une flèche sur toi. Has been set ablaze, so you are healed now in the name of Jesus. A été détruit, alors tu es libéré. Il guérit maintenant receive au nom de Jésus. Receive your deliverance. Receive your freedom. Reçois ta délivrance. Reçois ta liberté maintenant. In the name of Jesus.
dans le nom de Jésus. Oh, so bradige que darada zadaradi, bracato sabracadi, le bradoshadizo, le prekete subracadoshka, et cronoso brocotosh le ketenda, le crado subracadosha, le fracatos quebra, bracotosh le, bracato brocotos subracata, et bracatos subracata. Hear the voice of the Lord, there is somebody watching me here now. Écoute la voix du Seigneur, il y a quelqu'un qui me regarde maintenant. You are watching me. Nigérian, tu me regardes. Tell you. Le Seigneur me demande de te dire. That God, what God has started in your life, don't be afraid. You will see it manifest. It shall become a testimony. In the name of Jesus. Le Seigneur me demande de te dire ce qu'il a commencé dans ta vie deviendra un témoignage. Ce que Dieu a commencé dans ta vie sera maintenant une réalité. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Glory to God. Gloire à Dieu. Precious Jesus, I stretch my hands to everybody here. J'étends ma main vers tous ceux qui sèment des semences de sacrifice. Je lève un autel ce soir, Seigneur. Que cette dette soit payée. Que cette dette soit effacée. J'efface ta dette. J'efface ta dette. Il y aura annulation de dette maintenant. Pendant que tu commences à mettre cette semence dans cette compte, dans le nom de Jésus-Christ. Father, thank you, Lord, for the mighty things you are doing tonight. Seigneur, merci pour le pouvoir de ce soir. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons commencer à donner nos offrandes? Nous voulons donner une offrande qui va arrêter la souffrance. For suffering to be terminated. Une offrande qui va amener la fin de la souffrance. Give your offering into the account, and the Lord donne shall bless you good. Dans ce compte et Dieu va te bénir au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. I know you are blessed tonight. Je sais que tu es béni ce soir. I know you are blessed tonight. Je sais que tu es béni ce soir. If you are blessed, come say, I am blessed, prophet. Si tu es béni, alors dis, prophète, je suis béni. I want to see your comment. If you are truly blessed, say, I am blessed. Si tu es vraiment béni, je veux voir ton commentaire écrit. Je suis béni, homme de Dieu. I want you to come back to me. If you are blessed all over the world, wherever you are watching, say, thank you. Alors, je veux que tu me donnes le feedback. Tu dis, si tu es béni, où que tu sois dans le monde, écris, merci prophète, je suis béni. By the special grace of God, tomorrow, I will still be here live with you. Par la grâce spéciale de Dieu, demain, je serai encore live avec vous. Thank you for joining us tonight. Merci de nous avoir rejoints ce soir. I will still be with you tomorrow night. Je serai encore avec vous demain soir. Oh, yes, 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 yes. Come on. God bless oui, oui, you, oui, 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 vas-y. Great que Dieu te bénisse, sœur Faith. She said she's blessed. La sœur Faith, grâce success, dit qu'elle est bénie. Sister Teresa, God bless you. Sœur Teresa, sois now, bénie. Now, I want everybody... All right, Sister Eileen, God bless you. Sœur Eileen, que Dieu te bénisse. I want everybody to meet me again with Apostle. Tomorrow night is going to be a great time. Alors, je prends rendez-vous avec toi demain soir. Ce sera encore un grand moment. I would like you to invite your friends. Tell your friends. Let them watch this video again and again. It's going to bless many lives. J'aimerais que tu invites ton ami
à venir regarder cette vidéo encore et encore. Elle va bénir beaucoup de vies au nom de Jésus. And if you have not given to that account, I advise si tu ne donnes pas and counsel, dans ce compte, give into that account. Raise a sacrificial seed. Je te conseille sincèrement de donner une offrande sacrificielle en mettant une offrande dans ce God's compte. Altar to be raised to pour que l'autel de Dieu soit élevé pour révoquer tout autel satanique dans ta vie. I want everybody to do that tonight or today. Je voudrais que tout le monde le fasse ce soir ou aujourd'hui. See what will happen in your life tomorrow. Et tu verras ce qui arrivera dans ta vie demain. All right, Sister Mami, God bless you, Sister Mami, Sister Kellyam. Frère Mami, Dieu te bénisse. Kellyam. Frère Kellyam, Dieu te bénisse. All right, I want to thank God for my interpreter. Je dis merci à Dieu pour mon interprète, mon frère Patrick. His wife and sa femme. The child. I remember when I came to London and I ministered in the church, the Lord said, is giving them a child and the Lord has je me rappelle quand je suis venu à Londres, Dieu leur a donné un enfant for au sens de ma parole. Je voudrais dire merci au Seigneur pour tout ce qui me regarde. Dire merci pour à la femme de Dieu, l'apôtre Mylène. Thank you. I love you so much. You are a great woman of God. You are doing a great je vous aime work. Beaucoup. Vous êtes une grande femme de and Dieu. Vous faites un grand travail. Compensate you in areas. Et Dieu va vraiment vous récompenser. Apostle Marlin, God bless you. And I pray for your family, all your children. Apôtre Mylène, que Dieu vous bénisse. Je prie pour votre famille, vos enfants. That came out of your body shall be blessed of the Lord. Que tous ceux qui sont sortis de vous soient bénis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Everybody, make sure that you give into that account, and it shall be well. Alors, tout le monde, rassurez-vous de mettre dans ce compte. All right, we need to go now because. Maintenant, nous allons devoir partir. It's time to go home. Parce que il est temps please de rentrer à la maison. Please take time to watch it. Alors, prends le temps de regarder cette vidéo, ce message, et prie ce sujet de prière, et rejoins-moi demain. À 18h, heure d'Angleterre, et 17 et 19h, heure du Nigeria. God bless you. Bye. See you tomorrow. Can we share the grace together in fellowship? May the grace est-ce que nous pouvons partager la grâce et la communion? The Lord Jesus la grâce Christ, du Seigneur Jésus-Christ, God, l'amour de Dieu le Père, and the sweet fellowship of the Holy Spirit, et la communion du Saint-Esprit, be with us now and forever. Sois avec nous maintenant et pour toujours. And ever in Jesus' name. Et pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. See you tomorrow. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous voyons demain. Que Dieu vous bénisse. See you tomorrow. God bless you. Love you.